une nouvelle vidéo d'un atelier de loisirs créatifs. Cette année, pour Pâques, vous avez prévu de participer, ou mieux, d'organiser dans votre jardin une chasse aux œufs. Les enfants d'ailleurs adorent ce moment privilégié qui n'est autre pour eux qu'une véritable chasse au trésor. Cette année, eh bien, je vous propose de nous organiser. D'ailleurs, un drôle de panier se fabrique à l'atelier. Mais qu'en est-il exactement? Eh bien, je vous invite tout simplement à me rejoindre à l'atelier, le temps juste pour moi de m'y installer. Et je compte sur vous, bien sûr. A tout de suite, les amis. Je vous attends. Pour réaliser l'atelier de cette semaine, voici les fournitures que je vous propose. Nous aurons besoin d'une machine à coudre, mais pas d'obligation. Vous pouvez tout simplement utiliser un pistolet à colle et vous allez voir qu'on va l'utiliser pas mal. Je vous propose de travailler dans du carton de récupération. Ensuite, nous aurons besoin, bien sûr, d'un dessin d'oreille. Voici celle que j'ai dessinée et que je vais reproduire. Nous utiliserons également du tissu façon fourrure et en même temps vous pouvez également utiliser ce genre de laine, voilà, qui viendra en décoration. Nous utiliserons des petits yeux amovibles comme cela, et puis il vous faudra également de la feutrine, à vous de choisir la couleur qui vous convient, et bien sûr un petit peu de décoration en fonction de vos fonds de tiroir, bien sûr, alors des petites fleurs, du ruban, à vous de voir. Alors, nous avons donc besoin de carton. Ici, ce rectangle fait 15 cm par 37 cm. 15 cm de hauteur, 37 cm de longueur. Alors, il faudra le travailler de façon à avoir, voyez, les plis. Et on va le travailler avec chaque petit pli de façon à avoir un arrondi. Pour la anse, il nous faudra, alors cette anse fait 3,5 cm de large sur 33 cm de longueur. Donc elle aussi, il faudra la travailler de façon à avoir quelque chose de régulier et de souple également. Et ensuite, un autre reste de carton. Ici, il faudra tout simplement réaliser un cercle en fonction, eh bien, du diamètre du cylindre que nous aurons réalisé. Une fois que vous avez réalisé tout le marquage intérieur de votre carton, la première chose à faire, c'est d'ores et déjà de recouvrir notre carton avant de le coller. Donc, je vérifie la dimension. Alors, où vous prenez recto verso, ici, moi, je veux prendre simplement l'extérieur avec de la fourrure et j'utiliserai à l'intérieur de la feutrine. Donc, je mesure et je coupe. Je mets de côté. Je vais prendre maintenant la dimension de l'intérieur. Je vais mettre de la feutrine. Ici, je vais choisir une petite feutrine comme celle-ci. Je vais commencer par coller cette pièce et ensuite je rajouterai le morceau qui me manque.
Maintenant que j'ai fait l'intérieur, je vais faire l'extérieur. Et là, je vais tout simplement coller ma pièce extérieure comme ceci. Je procède de la même manière. Je colle au pistolet à colle. Voilà, une fois collé, j'ai affiné le bas de mon panier. Je vais tout simplement coller les extrémités ici. Une fois que mon carton est collé, je peux ôter mes pinces et je peux enfin coller le reste de mon tissu. Je vais en profiter pour prendre la dimension de mon cercle ici. Ici, je prends mon carton de récupération et je viens tout simplement réaliser le contour au crayon. Je vais prendre un cutter et je découpe mon cercle. Je vais maintenant coller de la feutrine pour faire l'intérieur. Je colle et je colle le socle au panier. Maintenant, je prends la pelote de laine. Elle va m'aider à affiner, bien sûr, le fond. Ici, je vais venir la coller tout autour. Je viens maintenant réaliser le haut du... J'enlève l'excédent. Et ici, je viens coller, pareil, le haut. Pour les oreilles, il me faudra de la feutrine rose. Je vais découper deux fois la pièce ici et il me faudra à nouveau du tissu fourrure. Et là, je vais découper là aussi deux oreilles dans cette pièce. Alors j'en ai pris un petit peu plus ici parce que moi je vais coudre les oreilles entre la feutrine et la fourrure. Mais si vous souhaitez simplement coller les pièces, vous n'avez pas besoin de prendre un petit peu plus. Je fais donc la même chose dans mon tissu fourrure. Et voilà mes deux oreilles de lapin. Je vais aller coudre à la machine tout autour pour fixer mes oreilles. De retour à la table de travail, voici nos deux petites oreilles de notre lapin. Il nous reste plus qu'à faire également la hanse et le pompon.
Vous avez reconnu, j'ai réalisé deux petits cercles, tout simplement pour faire un pompon. Et ce sera bien sûr la petite queue de mon petit lapin. Et pour ce faire, je vais bien entendu utiliser ma laine façon fourrure. Ce qui donne... Pour réaliser la anse, je vais tout simplement donc utiliser mon tissu. Je vais couper deux bandes et je les collerai autour de mon carton. Ici, je place mon carton à l'intérieur et je viens prendre la dimension dont j'ai besoin. Pour ma part, je place des pinces et je vais aller coudre à la machine. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Ou pistolet à colle ou machine à coudre. Et voilà, ma anse est terminée. Je vais pouvoir la placer sur le haut de mon petit panier. Je vais, je pense, la placer là. Bien sûr, je la centre. J'ai réalisé mon petit pompon. Je vais pouvoir le placer ici. Ici, je vais le coller par contre. Et je vais placer mes petites oreilles. Alors ici, bien sûr, je les collerai. Il ne me restera plus qu'à placer les deux yeux et le petit museau. Allez, je colle mes oreilles, ma anse et le petit pompon de mon petit lapin. Voilà, j'ai collé mes deux petites anses. Il ne nous reste plus qu'à placer les oreilles et ensuite les petits yeux. Et je vais utiliser un petit bouton comme celui-ci pour réaliser le museau. Et voilà, notre petit sac lapin est terminé. Il est prêt à accueillir les œufs de Pâques. Et voilà, cet atelier est terminé. J'espère qu'il vous aura plu ou tout du moins qu'il vous aura inspiré. Je vous donne pour ma part eh bien, rendez-vous dans une prochaine vidéo d'un atelier loisirs créatifs. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses créations. À bientôt les amis !